Et salut tout le monde, c'est Patty Sam de Feu et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je suis toujours en compagnie de Mister. Salut Mister. Hello les gens. Voilà, donc aujourd'hui, les amis, nous allons buter ce punaise de dragon. Je dis pas de gros mots moi. Donc voilà, on y est enfin. Je vous ai laissé sur le suspense la fois dernière. Et cette fois, on va y aller les amis. Et c'est parti dès que j'ai fini de me transformer. Ne vous inquiétez pas, il allait mourir. Je crois que il y a eu un problème. T'es con quoi. Bon les amis, on est enfin dans l'Ender. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite se retransformer parce que en fait j'avais peur de prendre des dégâts. On va se transformer en Wyvern. Donc dans l'Ender, plusieurs choses. Il y a non seulement pas mal de mecs, il y a des lieux qui bloquent. Et surtout. Surtout les amis, il y a des nouveaux minerais. Et ça franchement, c'est plutôt cool. Et faut péter tout ça. C'est un peu... Ah c'est vrai que c'est des flèches qui vont droite. Bon, il y a l'Ender Dragon qui vient de passer à côté de moi. Et donc qu'est-ce que ça va faire de buter cet Ender Dragon? Ça va non seulement débloquer un petit peu notre histoire sur, sur cette série. Qui va nous débloquer pas mal de choses. Bon, je explosé. Coup de banane mon gars. J'adore les cadavres. S'il y aura une fraise, je jetterai une fraise, mais c'est parce que c'est une banane. Bon, je crois que je les ai tous cassés. Donc, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va s'attaquer maintenant au dragon. On va redescendre. En fait, ce que je ferais bien, c'est que je viendrais bien avec une pioche Seal Touch et récupérer tous les loups qui bloquent avec. Ok, il est pas content. Il est pas content. Pas content? Attendez, je sais comment le calmer. Ok. Voilà. Il s'énerve tout seul maintenant. Bon, le dragon, t'es où? Ah, t'es là. Je t'ai vu passer, fais pas le malin. Eh ma banane, j'espère qu'elle va pas tomber dans le vide. C'est mort. C'est l'heure du combat. Non, ma banane. Ah, le con. Oh non, c'est bon, elle est revenue. Ouf. Ah, ça lui fait pas tant de dégâts que ça. Hein. Tu vas attaquer une banane. Elle s'est censée faire 20 dégâts. Oh par contre l'arc a... L'arc il lui met les tarifs hein. Et en fait aussi, du coup il va me donner son œuf et je pourrais non seulement avoir un dragon pour m'aider dans ma quête, mais je pourrais en avoir un deuxième aussi grâce à ça. Enfin, sauf que j'ai déjà récupéré. Ça c'est cool. Tu fais quoi? Tu lui mets un petit coup de bouche comme ça, qu'est-ce qu'il veut? C'est l'heure du combat. C'est l'heure du duel. Ah bah qu'est-ce que tu penses pour la même chose aussi. Donc, franchement ça c'est un combat plutôt simple hein, j'ai envie de dire. Tout le monde le connaît ce combat. Il est chiant, il fait des slaloms.
Je blague. On va descendre. Coup de banane, coup de banane, coup de banane, coup de banane, coup de banane. Moi, je sais plus quoi inventer. Je peux faire exploser avec des lits aussi. J'ai peut-être fait un endroit avec des lits. C'était marrant. Par contre, faut attendre qu'il te fonce dessus pour péter le lit, même avec des minecartes TNT aussi, c'est marrant. Mais c'est super cher. Bon, tu me réveilles quand tu l'auras tué. J'ai enlevé pas mal de vie d'un coup en fait. Il est chiant. T'as tellement de keyblocks. En fait, ça me fait flipper parce qu'il y a des Endermen partout. Et je le vois pas. Où est-ce qu'il est? Il est parti? Derrière toi, les amis, il est parti! Il s'est barré! Comme lui, hein. Je sais pas combien de vie je lui enlève à chaque fois. Pas beaucoup, hein. Je crois 3 points de vie ou un truc comme ça. Attendez, je vais juste mettre l'enclume dans mon inventaire. Sinon, mon arc il va péter. J'ai essayé de le jouer à la banane. Perd plus de vie. Ensuite, non plus, ça doit marcher. C'est quoi? Je vais pas me faire chier. Ça me donne quoi? Oh non, je pensais que ça me donnait la force aussi. Attends, je vais je voulais tirer avec l'enclume, s'il te plaît. Heureusement que j'ai infinité, hein. Ouh, touché, je crois. Il est résistant, en fait, c'est tout. C'est quoi, on va descendre au sol. On va le prendre à l'épée. Si j'arrive à descendre. Non mais il va monter dessus tout le temps. Il faut que je le suive moi parce que sinon je le vois plus. Non mais je voulais manger en fait. Ok, j'arrive même pas à le toucher. Et re les amis, non je ne suis plus en train de commenter ma vidéo, simplement parce que j'ai eu quelques problèmes en fait avec le son, je m'en rends compte seulement maintenant au montage. Des très gros problèmes en fait que j'ai eu sur la vidéo. Donc ce que je vais faire c'est que bah, j'ai pas d'autre choix en fait que de vous laisser sans son, je vous laisserai en. Je vais vous le mettre en accéléré tout simplement le reste de ce qui a regardé. Mais en gros tout simplement. Je vais finir de tuer l'Ender Dragon, je vais rentrer à la maison, je vais essayer d'enchanter des pioches pour avoir délicatesse, j'y arriverai pas. Et puis du coup, voilà, après rien de spécial, je suis retourné dans l'End, j'ai cassé des Lucky Blocks, j'ai obtenu pas mal de petits trucs. Et puis j'ai tout simplement récupéré quelques minerais aussi dans l'Ender, et puis c'est tout. Donc je pense que même ce moment, je vais pas vous le montrer parce que ça ne sert à rien. Je peux vous le laisser si vous voulez, tel qu'il est, mais ça n'a pas vraiment d'utilité que vous regardiez encore la vidéo jusque là. Donc voilà, c'était tout. Encore désolé, je ferai plus attention dorénavant. Et puis je vous dis salut à tous, c'était Batman. On se retrouve pour le prochain épisode. Allez, ciao.
the fearful fears. The tide it stole away her grace, but depths they wouldn't claim her. Toil begat by father's blood, this path was laid before her. Redemption born.